Bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de Nier Automata. Super, on est là, on est bien. Donc, nous avions la dernière fois, fait quelques quêtes annexes encore. Oui, mais des quêtes assez intéressantes tout de même. On avait aidé à escorter un robot qui s'était engueulé avec sa mère. On avait réparé une grosse machine que nous voici devant, qui a l'air très sympathique, d'ailleurs, ma foi. On avait fait une course de vitesse. Et on avait cherché des traîtres Yora. Sauf qu'on les a pas trouvés. Et on a récupéré aussi des puces de fonctionnalité. Donc, le souci, c'est que. C'est quoi? Alors déjà, je voulais juste vous dire que j'ai entre les deux épisodes, j'ai raté 2-3 dialogues, qui sont pas très intéressants, mais enfin pas très graves, mais je voulais quand même vous les redire. C'est qu'en fait, j'ai juste je suis déplacé vite fait pour aller sauvegarder ma partie, et juste le robot a dit, n'hésitez pas à revenir me voir car je m'ennuie. Et ce à quoi on a répondu, il est bizarre, mais ok. Voilà, donc le robot effectivement se fait chier. Hein, donc voilà, effectivement, je suis fatigué, je dois me reposer. Il a dit fatigué, et eux, donc visiblement c'est une robote, visiblement. Mais du coup, si c'était un Mister, plutôt un homme, ça aurait été un Mister Robot. Ouais, donc, référence à la série T. Ouais. Donc, nous avions plusieurs quêtes un petit peu en stand-by. On avait du coup la quête donc, de Psycho, mais ça, voilà. On a la quête de la vitesse, mais ça aussi, on s'en fout. Et on a la quête de l'escorte, mais ça, voilà, ça, vraiment, pour l'instant, c'est secondaire. On avait donc la quête principale qui est toujours là. On a la quête avec comment s'appelle j'allais dire le rugbyman, pas du tout. Avec le karatéka, qui est juste ici, qu'on va peut-être faire aujourd'hui. Et j'avais pas vu, mais on a une nouvelle quête ici. Qui est, vous savez, la quête, on avait récupéré les pods. Et bien en fait, il s'avère que nous avons un nouveau point qui s'est mis ici. Auquel on a accès très rapidement via les TP. Donc je pense qu'on va aller faire ça. Mais avant, je me suis un petit peu renseigné, et il s'avère que, effectivement, j'ai regardé sur un site de Solus, j'avoue. Car je n'étais pas sûr qu'il soit obligé de rentrer à la base pour faire ses quêtes des traîtres Yora. Et après vérification, alors je peux me permettre de spoiler un petit peu dans la mesure où j'ai déjà fait le jeu. Je pense que je peux me le permettre. Mais du coup, sur la Solus, il y a effectivement marqué qu'il n'y a pas besoin de faire la quête de retourner à la base pour aller voir les traîtres Yora. Et qu'il faut commencer par aller d'abord au point qui se trouve ici. Sauf que on était là, vous étiez témoin. Ici, rien passé. Donc, je ne sais pas si c'est un bug et si c'est que la solution est mal écrite ou quoi. Ou si c'est qu'il y a un souci. Mais bon, c'est un site de ces solutions plutôt connues. Donc, est-ce que c'est moi qui ai fait du caca et que. Ah! あなたたちには任務放棄の罪で司令部から捕縛命令が下っている。おとなしくして。うるせえ！ Alors, vous êtes témoins, les gens. On a fait exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que je me suis juste laissé tomber. Et là, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Ah, oh là, j'ai fait un coup. Waouh, j'ai fait un coup spécial. C'est rare que je fasse ça. Parce qu'en fait, il y avait la petite icône qui me disait qu'on pouvait. Hop là, ça se casse la gueule. Ouais, mais vous avez été témoin. Je veux dire, j'ai exactement fait la même chose que la dernière fois, et pourtant, là, cette fois-ci, ça a pas marché. Donc, enfin, cette fois-ci, ça a marché, alors que la dernière fois, non. Donc, je ne sais pas, effectivement, je pense que c'était un petit bug, mais bref. Ah! Alors, elles se sont cassées, du coup. Enfin, ils se sont cassés, c'était un homme et une femme, je crois. Bon, même si pour des androïdes, la notion d'homme et femme est, vous savez, très relative, mais ouais, vous avez compris. Un corps d'homme et un corps de femme. Même si, bon, bref, non, on va pas revenir sur le débat. Donc, du coup. Du coup, voilà, ça a marché. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas besoin de. C'est vraiment une quête annexe, hein, techniquement. Donc. Je ne vais pas poser plus de questions que ça. Ah, on n'a plus que 200 moyens, par contre, là, il va vraiment falloir qu'on se régénère en vie. Parce qu'on est, on n'est pas très très bien, il va falloir qu'on récupère des soins. Donc, normalement, du coup, la prochaine étape. Alors, dans mes souvenirs très lointains, parce que je ne me suis pas spoilé la suite de la quête, hein, je vous rassure. Même si, encore une fois, je ne peux pas vraiment spoiler dans la mesure où je connais déjà. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait le jeu déjà, donc je ne peux pas vraiment spoiler. Je crois qu'ils sont tout en haut de cette tour, donc il faut qu'on grimpe en haut de. Ce petit immeuble, il faut qu'on aille tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et alors, je crois qu'il y a une subtilité qui est que il y a un étage. Vous voyez, c'est que là, en gros, il y a un étage qui est
caché, entre guillemets. Est-ce que c'est là ou pas? Pas du tout. Non, c'est qu'en fait, je me souviens qu'en fait, c'est un... Donc, faut qu'on monte, je crois, tout en haut hein, du truc, mais... Hop. Donc, non, mais je sais pas pourquoi la quête s'est pas lancée, mais il me semble qu'il y avait déjà un truc comme ça, la première fois que j'avais joué où la quête s'était pas lancée tout de suite, donc... Mais bref, vous ferez pas de commentaires sur la vue, s'il vous plaît. Oula, je crois que c'est Toby qui... Je crois que c'est Danny S qui volait dans... qui planait. Alors, attends, hop. Voilà, tu grimpes. Et du coup, faut faire... Hop. Voilà. Ah merde, c'est pas ici? Bah, c'est pas tout en haut de ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Merde, j'ai crevé! Non, ça va, c'est bon. Oh, quel enfer, je suis mort. Ah ouais, il y avait un truc ici. Attends, on va pas le récupérer de toute façon. Bah, c'est pas en haut du bâtiment qu'il faut aller. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Ok, donc rebonjour les gens. Alors, j'ai fait le tour au niveau de la structure. Qui était, enfin, du grand bâtiment, je n'ai rien trouvé. Donc je vais essayer sur le troisième endroit, c'est peut-être là qu'il faut aller. Ah bah ils sont là, oui, c'est ça. Bon, il fait un peu mal quand même, hein, ces bâtards. Ah, il parle de son commandant, mais quel commandant? Vous savez, quand il s'est barré, ils se sont dit, il y a ordre du commandant, il faut qu'on se casse. Mais de quel commandant est-ce qu'il parlait? Est-ce que c'est le troisième? Parce qu'il parlait, on est d'accord, il y avait trois traîtres à récupérer. Pas à récupérer, à tuer. Enfin, oui, à arrêter, on va dire. Et donc la question c'est où est le troisième? Parce que là ils sont que deux. Hein, du coup. Par contre, ils sont très stylés avec leur tenue noire là et tout. Alors attends, est-ce qu'ils vont encore se casser, vous pensez, avant la fin ou... Ils vont se laisser se rendre, peut-être, je sais plus. Là, j'avoue que je sais plus du tout hein, cette quête-là. Je sais plutôt comment elle termine. Ouais, j'ai encore cherché pendant je sais pas combien de temps dans l'immeuble en pensant que c'était là, mais pas du tout. Putain, mais c'est pas vrai, je me fais goumer. Et l'autre, elle attaque du tout ou... Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, je vais jouer au corps à corps parce que je me fais un peu déboîter. Hein. Surtout que j'ai plus du tout soin, donc. Vraiment, vraiment que j'aille racheter des soins. Je crois que je profiterai de la base pour acheter des soins. Aïe. Hop. 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 Allez. Crève. Bim. Ok. On va tuer son pote du coup. Ah, on se fait goumer là. Hop. Hop. Hop, hop. On prend un peu de tarot quand même, faut faire gaffe. On est clairement en train de tuer nos potes, hein. C'est... Enfin, de tuer des Yora, hein. Ce qui est quand même assez fou, hein, quand on y pense. Bon, bah voilà, du coup, le commandant est là. Le commandant était ici. Donc, alors là, vision, il a l'air quand même beaucoup plus fort, donc il faut faire attention. Enfin, la commandante plutôt. Par contre, j'ai quasiment plus de vie, donc c'est chaud du ski bar. Donc, on va aller à la distance. Hein, il est proposé d'être à distance. Je pense qu'effectivement, c'est la meilleure solution. Pendant que 9S lui s'occupe du corps à corps, nous, on va hop, la distance. Bim. Hop. Attends, putain, j'avais le truc de attaque spéciale là, il m'a fait annuler mon truc là, 9S. Ah, c'est vrai que j'ai des soins efficaces, par contre ça coûte beaucoup plus cher. Vraiment que j'ai arraché des soins, grosse. Enfin. Hop. Grosse priorité après ça. Ça convainc. Ah, bah c'est bon, j'ai eu le coup spécial. Bim. Quoi? C'est moi là, esquiver cette choix là. Vraiment. Hop. Ouais, c'est du bourrinage, hein. C'est du bourrinage Maximus. C'est un peu space, mais attention. Hop, voilà, bim.
Voilà. Allez, prends cher quand même. Hein. Nous aussi, mais c'est pas grave. On résiste bien. Oh là là, ça y est. Ok. Voilà, ça c'était propre ça comme coup. En fait, on fait pas souvent des coups spéciaux avec les petits ennemis parce qu'on les tue assez rapidement. Alors qu'avec elle, on peut vraiment se donner à cœur joie. Attention. Hop! Allez, on l'achève. Allez! Allez, 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 allez. Hop. Aïe, aïe, aïe. Allez. C'est bon. Et 10 000 gills. Nice. Lance type 4-0. ブラックボックス信号停止を確認。任務完了。僕たち仲間の機体を。どうしてこの人たちはレジスタンス・キャンプから物資を盗んだりしたんだろう。そうだ。アネモネさんなら何か知ってるかも。トゥビ。わかった。 Effectivement, c'était bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont attaqué ou quoi? Alors du coup, la troisième zone, elle ne servait à rien du tout. Donc, c'était pour nous induire en erreur. Super, merci. Alors, vous voyez qu'il y a une nouvelle quête qui s'est débloquée avec notre ami Angels. Donc, on va lui parler. On ira du coup parler à Anemone pour l'histoire des traîtres. Il faut aussi qu'on aille voir pour la quête des pods, enfin des fonctionnalités dans le désert. Mais chaque chose en son temps. Bonjour, Android. J'ai rien à faire. Racontez-moi une histoire. Quoi? On va pas pouvoir te raconter grand chose, par de nos données sont confidentielles. Racontez-moi le passé alors. Écrivez-moi cette cité telle qu'elle était autrefois, pardon. On peut toujours essayer. Cette ville abritait autrefois un grand nombre d'humains. Une multitude d'innombrables. On peut dire ça, tu ne te souviens vraiment pas de les avoir chassés? Il n'y avait déjà plus d'humains au moment de la fabrication. Je n'ai connu que des ruines et des androïdes. C'est pas pour autant qu'on te pardonnera les péchés commis par les tiens. Les formes de vie mécaniques ne comprennent pas la notion de péché. Allons-y, Toby. Bonne idée. Ok, bon, bah, c'est juste pour discuter avec eux. Mais du coup, avec voilà, effectivement, avec lui, on va avoir comme ça pas mal de discussions. Donc c'est plutôt, plutôt propre. On va du coup aller voir Anemone, vu qu'elle est juste à côté. On ira ensuite faire la quête de... comment ça s'appelle, des puces de fonctionnalité. Et comme ça, on sera plutôt bon. Alors, Anemone, tu es là. Bonjour. Oui, je peux vous aider? On aurait quelque chose à vous demander. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des unités Yora qui volaient votre ravitaillement? Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Quoi? On entrepose notre ravitaillement sur différents sites, mais à ma connaissance, aucun vol n'a été signalé. Je vois, bon, merci. Alors, ok.盗んでいなかった。じゃあ一体。司令部に通信。こちら9-1-0。どうしました？実は逃亡したヨルハ部隊についてなのですが。はい。こちらでもその情報は確認しました。しかし司令官から言われているような盗難事件はレジスタンスキャンプでは発生していませんでした。一体 これって。当該案件への Ok, donc là, il y a un truc qui est très louche. On nous a demandé du coup de tuer ces Yora, même pas de les arrêter, de les tuer. Parce qu'ils avaient volé et qu'ils avaient trahi du coup la nation. Enfin, la nation Yora, quoi. Et visiblement, ils n'ont rien volé. Donc pourquoi on nous a donné l'ordre de les tuer? De les arrêter, de les tuer, bref. Si en réalité, ils n'ont rien fait. Donc là, petit problème, vous en conviendrez. Petit souci, quoi. Mais bon, écoutez, on en saura peut-être plus tard. Pour l'instant, on n'en sait rien. On va acheter des choses, puisqu'on a plein de choses. Non, ça va. Au niveau des puces, j'en suis où? Au niveau du stockage, est-ce que j'ai tout rempli ou pas du tout?
Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je vous montre. Ouais, j'avais tout rempli. Il fallait que je vous montre aussi les archives. On va regarder ça, souvenir d'Angels. Doc 005. Bordereau d'expédition 14 février, approuvé le 14 février. Infanterie intégrée transformable de destruction de forteresse Angels, 4 unités. Numéro de série, il y en a eu 4 du coup. Donc elle, c'est la 110B visiblement. Arme aérienne, suppression de classe Goliath Angels, numéro de série 022A. Inspection, ok. Alors, Doc 10. Infanterie intégrée transformable de destruction de forteresse Angels, numéro de série 110B. Date de naissance, combo record, cible à. Individuel anéanti 11345, c'est énorme. Défense au niveau des deux membres supérieurs, membres inférieurs endommagés. Confirmation d'erreur de fragmentation dans l'espace, défaillance du système vocal, en sus de la liste ci-dessous, d'autres défaillances ont été détectées. Ok. Donc intéressant, je pense qu'on en saura plus un peu plus tard. Après pour le reste de la documentation, c'est vraiment des choses en rapport avec avec les monstres, etc., leurs points faibles, donc je vais vous montrer vite fait. Donc si on prend par exemple la machine du désert, on a vraiment chaque machine, ses unités sont les plus communes des formes de vie mécanique, etc. Donc Amine, ça part vraiment de nous intéresser. Voilà, ça c'est les tutos. Ça c'est l'histoire des quêtes. Alors lance type 4-0, salut ici 4-2S, notre idole du groupe Yora, du QG de la défense nord 2C, 12C avec les dernières infos du front. Allez, on se bouge et on se donne à fond. Ok, yo. Donc effectivement, c'est une nouvelle arme qu'on a eue. Qu'on s'est pas équipé parce que j'avoue qu'à titre personnel je suis pas extrêmement fan de la lance, même si là vous voyez là on baisse beaucoup en niveau, mais parce que là elle est pas améliorée. Je pense qu'améliorée elle peut faire assez mal. J'avoue que j'aime bien les armes de base qu'on a dans le jeu, et j'y crois jamais changé du tout, donc voilà, je vais voir si on peut pas les améliorer par contre. Donc on peut pas améliorer, par contre vous voyez qu'on peut améliorer la lance de type 0. D'ailleurs on pourrait presque le faire. Non, je vais garder mes trucs, donc voilà. Par contre, très important, il faut absolument que je récupère des putains de soins. Et après, on ira du coup, déjà, tous au paradis, j'espère. On rallume la caméra, bam, hop là. On va racheter du coup des soins efficaces. Ça sera beaucoup mieux. Ça coûte cher, mais c'est pratique. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux en acheter 7. Et que des soins moyens, je vais en acheter 20. Hop, voilà. Il nous reste quand même 50 000 boules. Donc, c'est pas trop mal. Ça me permet de tenir pendant encore quelques épisodes très tranquillement. Donc, voilà. On va du coup aller dans le désert pour récupérer. Eh bien, voilà, c'était ici. Attends, quoi ? Oui, si, c'était ici. Pour récupérer, pour aller voir du coup l'homme qui nous avait du coup demandé de récupérer les plus de fonctionnalités, puisque visiblement c'est pas terminé. Et c'est vrai qu'il y avait un truc bizarre autour de lui, c'est pourquoi est-ce que ces puces ont des données confidentielles, et que ça a été visiblement programmé pas pour des Yora, mais pour autre chose. Donc est-ce que c'est le mec qui est louche ou pas? On lui a quand même donné les puces, même si la commandante nous a demandé de ne pas lui donner les puces. On va voir si c'était un piège, si on a fait de la merde, si... Donc bon. Donc, notre cher ami est de l'autre côté, donc on va être de l'autre côté, tout simplement. Et là, pour le coup, on aura quand même bien avancé sur les quêtes, on aura quand même plus grand chose à faire. Je pense qu'on va aller, du coup... ensuite, on va aller voir le karatéka. Puis, on... Bon, attends, on va se faire... Ah, c'est beaucoup plus fluide, ici, hein, tout de suite. Comparé à... Toi, tu vas être tout de suite, celle-ci. Comparé à la cité en ruine, il y a quand même beaucoup moins de lag ici. Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc, alors, je crois qu'il doit être là-dedans. Alors, il est où? Ouais, je crois qu'il est là-haut. Voilà, t'es là. Bonjour. C'est grâce à vous que j'ai récupéré ces puces. C'est pas vrai? Je vous donne une fierté, ça, oui. Et j'imagine que vous avez remarqué que les puces provenaient du groupe Yora. Eh bien, je peux tout vous expliquer. D'abord, permettez-moi de vous présenter un tout membre de ma famille. Mais non. Votre famille? J'ai toujours voulu fonder une famille, vous comprenez? En tout cas, je m'en étais sacrément persuadé. À force de voir toutes ces machines vivant en collectivité, j'ai pris conscience de ma solitude.
Du coup, je suis parti sur le terrain et j'ai récupéré le corps d'unité Yora salement amoché. J'espère être en mesure de la réparer et pouvoir ainsi fonder la famille de mes rêves. Bonjour. Incroyable. Je sais que c'est contre les règles, mais je m'en moque. J'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ma vie, de quelqu'un à protéger. Vous ne direz rien, n'est-ce pas? S'il vous plaît. On va rien dire, hein, pour le coup, on s'en fout. Ok, donc le mec est littéralement... Non, je vais rien dire, t'inquiète, coco. Donc, en gros, le mec a recréé un Yora pour avoir une famille. Il y a un côté à la fois touchant et très flippant, on va pas se mentir. Je suis déjà allé en haut de ce bâtiment ou pas? Ouais, ça m'intrigue, j'ai envie de voir ce qu'il y a en haut de ce bâtiment. Je sais pas si je suis déjà allé ou pas. Ouais, rien, super. Super, ok. Alors du coup, est-ce que c'est compté comme une quête qui est validée ou est-ce qu'il y aura encore un truc à faire? Je ne sais pas. Donc, maintenant qu'on est là. Donc attends, on va voir au niveau des quêtes terminées. Examen de machine, traître Yora. Alors attends, quête active. Au fond, l'android repérer le modèle Yora pour s'en faire une famille. Ok, mais alors, du coup, la quête est terminée ou elle n'est pas terminée? Je ne sais pas. Donc, on a le couple errant, ça on ne peut pas la terminer. On a photographie qu'on ne peut pas terminer. On a étoile de vitesse qu'on pourrait faire, mais j'ai la flemme. On a inventeur demeuré qu'on pourrait faire, mais ça coûte cher. On a les yeux de Psycho qui font chier. Et on a examen de machine 2 qui, pour l'instant, ne peut pas se débloquer. Donc, techniquement, là, les gens, on a fait toutes les quêtes annexes. Alors, non, pas vraiment. Il reste la quête. Alors, on va se la tenter. C'est là, on va se la tenter. Donc, ce que je propose, c'est que on va se TP. On va se TP ici. On va aller faire la quête qui est là. On va ensuite aller voir, essayer de faire la quête d'escorte qui est ici. Et si je galère trop, on dira fuck it. Et on ira directement à la base pour enfin reprendre la quête principale. Donc, voilà du coup ce qu'on va faire. Ce petit programme sympatoche. Donc, on va aller au niveau de l'usine... alors, c'est pas centre. Si, c'est centre. Cité en ruine, grotte. Non, c'est ça, c'est usine centre, ok. Donc, ouais, on va aller ici. Et on va voir. Mais je vous dis, la quête est pas si compliquée que ça, la quête d'escorte. Mais en fait, si vous allez voir qu'il va falloir gérer tellement de paramètres différents. Que moi c'est une quête où j'ai aucune persévérance. Faut savoir que j'ai pas de persévérance sur les jeux, très peu. Donc les trucs comme ça où il s'y reprendre à 10 000 fois, ça peut vite me gonfler. Comme Psycho par exemple, j'ai pas eu la persévérance, notamment parce que je pense que j'avais pas le niveau tout court. Même si techniquement je pense qu'avec un peu de persévérance, on peut y arriver facilement. Donc, voilà. Du coup on va voir le karatéka, notamment parce qu'il me semble qu'il peut donner des items plutôt cool. Donc autant aller le faire. Alors, si je me souviens bien, il faut que je monte tout en haut de ce truc. Voilà. Mais je suis quand même intrigué parce que... Il y avait toute la zone là qu'on a fouillé où il n'y avait absolument rien. La zone où on a fait traître Yora. Ça, j'avoue que je comprends toujours pas. Donc, merde. Comment je grimpe déjà? Ah oui, il faut que je fasse une sorte de... glissade dans les airs. Je me souviens de ça. Hop. Après, il y a plus simple, on peut directement monter sur les caisses là-bas aussi. Voilà. Putain! Et pourquoi j'avais réussi à monter sans problème la dernière fois? Pourquoi là j'arrive plus? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, attends, on va monter là-haut directement, ça va être plus rapide. Hop, hop. Voilà. Normalement là, on doit pouvoir monter là. Pourquoi on peut pas monter là? Oh non, mais quel enfer! Mais quel enfer! Ok, là ça paraît plus simple. Mais quoi? Ok, ça me rend dingue, ça commence à... Là, vous voyez, déjà, j'ai pas la persévérance, parce que ça m'énerve de rater ça, de devoir retenter 10 000 fois. Donc, on va réessayer. J'ai pas envie de faire non plus une ellipse pour ce truc de merde. Donc, on va pas commencer à rager pour rien, Zoldru. Donc. Voilà, putain, j'ai cru que j'allais jamais arriver, quoi. Donc, notre ami. Le père cerveau. Vous en demandez, mon enfant. Attention, le père cerveau s'est servi de votre cadeau pour devenir plus fort que jamais. Donc attends, effectivement, il a une arme. Allez, on va l'affronter. C'est parti, la grande roue du temps ne s'arrête jamais. Ne vous attendez pas à ce que les choses se déroulent comme lors de notre dernière rencontre. Ok, ceinture marron, c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il est niveau 30. Donc techniquement, ça va pas être simple. Parce que Coco, maintenant, il a plus des armes.
Heureusement niveau 30 encore ça va, c'est acceptable. Alors, il suffit de débiter un peu. Hop. Ah ça, on fait quand même assez de dégâts. Ça devrait quand même être largement suffisant. Hop. Hop. Voilà. On attend qu'il tourne, qu'il finisse de tournoyer. On prend de la... Hop. Et puissance. Hop. Voilà. Et bim. Hop. Allez. Hop. Ouais, je pense qu'on a bientôt terminé. Allez. On va compter. Attention, c'est parti. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. Ah, c'était plus rapide que ça. Okay. Pfiou, arrêtez. C'est bon, vous êtes content? Parlons plutôt rémunération. Non, mais je rêve. C'est vous qui vouliez prouver. Vous refuseriez d'accéder à la modeste requête d'un vieux moine? Oh, c'est bon, hein, commencez pas. Le père Savoie a renoncé au bien matériel, fait de nombreux vœux, et vous lui refusez un plus simple service? Oh, c'est bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois? Un alliage mémoriel et un circuit cassé. Mais bon, n'attendez pas, mon enfant, alors ne traînez pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà, ça? Vous avez arrêté de m'appeler comme ça, oui? On les a déjà, effectivement. Donc tant mieux. Bon, j'ai ce que vous vouliez. Ah, excellent. Le père Savoie va pouvoir procéder à quelques améliorations. À votre retour, je serai plus puissant que jamais. Et oh, j'ai hâte de voir ça. Et là, du coup, on a plein de choses très très cool. Et niveau 21. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que je l'ai fait, c'est parce que on récupère plein de quêtes d'un coup, vu qu'on a déjà rendu les items, les machins et tout, donc c'est plutôt cool. Ok, bon voilà, ça c'est fait. Du coup, la prochaine fois qu'on reviendra en A-Zone, là il sera, je crois, niveau 40, donc il va être complètement pété. Donc ça sert à rien de revenir tout de suite, hein. Il vaut mieux attendre encore un petit peu. Donc je vous propose du coup, comme j'ai dit, qu'on allait faire la quête de l'escorte, qui en soi est plutôt... Elle est marrante, enfin, il y a un truc un peu marrant, mais je vous dis, moi, ça m'avait tellement saoulé de la refaire en boucle que, niveau persévérance, j'ai abandonné très très vite. Hein. C'est un peu mon souci, c'est que sur les jeux, j'abandonne très très vite. Il y a des jeux, je pense, que malheureusement, j'arriverai jamais à terminer. Je pense notamment à Bloodborne qui est un jeu qui est magnifique, qui a un univers qui m'intéresse beaucoup, mais c'est un jeu un peu en die and retry, et je n'ai pas la persévérance pour jouer ce genre de jeu, donc c'est compliqué. Bref. Bonjour. Alors, bonjour. Ah, mais si je me trompe pas, j'ai affaire à un androïde. Laissez-moi vous poser une question. À votre avis, le monde déborde-t-il d'amour? Peut-être, oui. Pensez-vous pas que nous avons tous besoin d'égayer notre quotidien? Ça, oui, je te le confirme. Parfait, dans ce cas, vous pourriez bien être la personne qu'il me faut pour rendre ce monde meilleur. Ok. Vraiment? Croyez-vous qu'il serait possible de tisser une toile d'amour recouvrant le monde entier? Ah oui, c'est certain. Je vois. Alors peut-être que puis-je moi aussi croire en vous. Voyez-vous, de nombreuses machines arborent de violence. J'ai donc décidé de les rassembler afin d'organiser un grand défilé. Un défilé d'amour et d'amitié pour tous. Malheureusement, il semble que certains de mes congénères n'apprécient guère les démonstrations de paix. Ainsi, aussi, aurais-je voulu vous demander d'assurer la protection de notre défilé. Ainsi, nous garantirons que notre merveilleux message soit entendu. On va accepter, on va tester. Merci pour votre soutien, parce que je me dois quand même de vous montrer les quêtes aussi. Quand même. Ça me ferait si chaud au cœur de savoir que vous garantissez la sécurité de mes compagnons pendant le défilé. Très bien, à présent, que le pouvoir de l'amitié éblouisse le monde. Donc, voilà comment ça va se passer. C'est qu'on va parler au monsieur, et voilà. Il va y avoir du coup un défilé de joie et d'amour. Et pendant ce défilé de joie et d'amour, il y a des gens qui sont pas pour la joie et l'amour, notamment nos amis juste ici. Donc en gros, ah oui, ils sont niveau 35 ces bâtards. Je vais jamais avoir le niveau suffisant. Ils sont niveau 35, frère. Voilà, et en gros l'idée c'est que pendant que eux essaient de défiler, il faut que je les défonce. Ah merde, attendez. Parce qu'en gros, si jamais ils prennent trop de dégâts, et bah du coup, le défilé s'arrête et j'ai perdu. Bon, je suis désolé, je parle en même temps que les gens. Ah bah ouais, ils sont déjà enculés. Hein. Vous voyez, ils sont un peu tabassés dans tous les sens. Alors, attendez. C'est tellement long d'être tué que... Là, il y en a de tous les côtés, c'est le bordel. Quel enfer. Quel enfer, je me souvenais pas que c'était aussi haut niveau qu'il fallait faire. De toute façon, j'ai envie de vous dire... Pourquoi tant de violence? Voilà, et du coup... Alors, on l'a pas vu, hein.
Je ne resterai pas pour autant, je recommencerai. Voilà. Donc vous ne l'avez pas vu, il restait encore au moins 4 machines, ils sont littéralement tous morts. Donc vous l'avez pas vu, mais ils se sont fait tous défoncer la gueule. Donc, en fait, si vous voulez, cette quête est tellement compliquée, il faut avoir les yeux comme ça, en fait, genre vraiment dans tous les sens. Donc, malheureusement, je suis désolé, je vous ai pas montré, mais je pense que vous avez compris que les machines s'étaient fait défoncer la gueule par leurs congénères, ce qui fait que, littéralement, eh bien, voilà, on n'a pas le niveau. Donc, on la fera plus tard, cette quête, c'est pas grave. Quand on sera un peu plus, genre, niveau 30, un truc dans le genre, on essaiera de la faire. Vous voyez que le perso est déjà revenu de niveau 40, on va pas la faire. Donc, bah, du coup, bah, dans la quête active, il nous reste que des quêtes qu'on ne peut pas vraiment faire. Mais on va pouvoir enfin, parce que ça fait un moment qu'on l'aurait nié dessus, aller dans cette putain de base et faire la quête principale. Après, j'aime bien les quêtes secondaires, mais c'est vrai que je pense que c'est plus intéressant aussi pour vous, ne serait-ce que, voilà, d'aller vers la quête principale. C'est sûr, c'est plus spectaculaire, on va dire. Donc, retour à la base, c'est parti. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas retourné, hein. Ça fait depuis l'épisode 2, hein. Ouais, l'épisode 2. Épisode 3, je pense. Donc, ça fait quand même 8 épisodes qu'on n'est pas revenu dans la base. Donc, après, il n'y a pas grand-chose à faire, donc c'est aussi pour ça qu'on n'y revient pas souvent. Bref. Et là, je vous avoue que pour la suite de l'aventure, je n'ai plus vraiment de souvenirs. Je pense savoir dans quelle zone on va atterrir. エイリアンシップの報告です。そうか。すでにエイリアンはこの情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え？あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。 Bon, vous voyez, c'était quand même très rapide. Donc, faut qu'on aille au village de Pascal avec un point d'accès. Ah, effectivement, c'est vrai que vous me direz. On n'a pas vraiment d'intérêt à leur parler. Vous me direz, mais c'est bizarre parce que. Nous, on se rend compte que sur le terrain, ils sont plutôt gentils, mais le Conseil d'humanité nous dit quand même qu'ils sont méchants. Après, faut vous dire que techniquement. Effectivement, comme je disais, du coup, vous vous dites que c'est quand même bizarre parce que nous on voit qu'ils sont gentils, mais le Conseil d'humanité dit que bah, c'est des énormes connards. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment raison d'essayer d'aller contre eux? Enfin, c'est pas. Bref. Il y a une quête, hein, c'est pour ça que je suis allé voir ça. Enfin, bref, c'est toujours un peu compliqué. Bon, vous doutez bien que depuis, vu qu'ils sont pas sur le terrain, les Yora, enfin, qui sont à la base, pour eux, c'est forcément des traîtres, les machines, tu vois. Donc, c'est ça qu'il y a un petit conflit. On a un peu le cul entre deux chaises contre les Yora et puis bah, les machines qui ont l'air tous les deux bah, gentils, donc c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, pas toutes les machines, du moins. Mais du coup, pas tous les Yora, parce qu'on a vu qu'il y a des traîtres également, quoi. Toby, c'est vous? Oui, mais... Quel soulagement, je m'appelle 16D. Mon instructrice, 11B, faisait partie de vos coéquipiers lors de l'assaut de l'usine désaffectée. Je suppose qu'elle a été abattue pendant l'assaut, oui. C'est au tout début de l'aventure, quand on osait qu'il y avait plein de vaisseaux qui étaient alignés et qu'ils se sont fait tous enchaîner un par un. Je vois, c'est triste. Je la considérais comme mon mentor. Elle était si froide, si forte. Je l'admirais tant. Qu'est-ce qu'on a fait de son corps? Aucune idée. Je sais que je ne devrais pas vous demander un service pareil, mais si vous tombez sur des objets qui lui appartenaient, pourriez me les rapporter? Ce n'est pas très important, c'est juste au cas où, hein, vous avez le temps. On va accepter. Je garde l'œil ouvert. Merci. Pod, on a des infos sur les sujets au sujet de la boîte noire de 11B? Négatif. Boîte noire de 11B non récupérée. Elle a été abattue près de l'usine défectée, non? Ok, donc ça veut dire qu'on va devoir récupérer près de l'usine désaffectée pour aller récupérer du coup des informations sur elle. Donc encore une quête secondaire du coup qu'on n'avait pas débloqué à la base, mais c'est pas très grave. Bon, écoutez, ah oui, il y a le fameux bug visuel, c'est pas grave. Oui, il y a un bug ici, j'ai jamais trop compris pourquoi. Toby est là, il avait proposé de se reposer. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant de se reposer? Ouais, je crois que c'est juste pour sauvegarder, mais en vrai je sais pas vraiment. Souhaitez-vous sauvegarder? Ouais, on va sauvegarder. Je propose, on a combien, 37 minutes 46 de record, sachant qu'il y a les petits trucs,
Ah oui, mais alors, il y a eu l'ellipse, donc effectivement, on a quelques minutes de plus. Donc on peut avoir des minutes de plus. C'est pour vous, c'est cadeau. Donc, on avait des massages également à lire. Psycho pêche. Salut, pardon de vous déranger avec ça, mais il y a un poisson que j'aimerais recommander aux unités Yora. Enfin, pour être plus précise, il faudrait que vous en mangez afin que je puisse étudier les effets de son huile sur les unités Yora. Pour la science, vous comprenez? Donc voilà, venez me voir si vous n'avez rien d'autre à faire, c'est la maison qui régale. D'accord, donc en gros, faut qu'on lui apporte des poissons. Pascal, précieuse information. J'ai l'impression que cela fait une éternité que nous ne sommes pas parlé. Il se trouve que de nombreuses boutiques du village ont récemment fait l'acquisition de nouveaux articles, et je voulais simplement m'assurer que toutes les unités Yora étaient au courant. J'aimerais aussi profiter de ce court message pour vous rappeler qu'il existe parmi les formes de vie mécanique des individus désireux d'ouvrir leur cœur et de partager avec vous ce genre d'informations importantes. Bien également, Pascal. Donc Pascal joue sur la carte du mec sympa. Mais, Ok. Un commentaire intéressant de 9S, même si c'est fait violemment rembarrer par Toubi, comme d'habitude. Je propose du coup qu'on aille. Il y a toujours Psycho qui est là. C'est où qu'il faut qu'on aille? Ce village de Pascal, il faut qu'on aille. Sachant qu'il y a l'usine défectée, peut-être qu'on pourrait faire la quête annexe avant ou pas. Est-ce qu'on ferait pas la quête annexe avant? Je sais pas. Bref, du coup, on va quand même retourner au village de Pascal juste pour terminer l'épisode d'ici. Je pense pas qu'il nous lance de cinématique, donc il ne va pas y avoir de soucis, je pense. Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai le temps? Il me reste 30 secondes de caméra. Est-ce que j'arriverai à terminer ma vidéo avant 30 secondes? Vous allez voir de toute façon. Avec les temps de chargement, un bonus. Un plaisir. Ok. Effectivement, non, on peut. Ok, bah écoutez, du coup, on ira interroger Pascal sur les machines la prochaine fois. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À partager la vidéo. Et à me dire en commentaire si vous avez déjà grimpé à une échelle. Voilà, j'ai pas le temps, il m'a 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est tout le monde, c'était Zolus. A plus.